Bonjour, bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. On va laisser les gens arriver tranquillement. Alors, qui c'est qu'on a avec nous aujourd'hui? Bonjour Charlotte, première fois? Bah bienvenue sur le live. Bonjour Aude, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. C'est un temps à scraper aujourd'hui, hein, vu la météo qu'on a, vu la pluie. Bonjour maman. Bonjour Claudine. Viens de voir que vous êtes là. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? Bonjour Muriel, bienvenue sur le live. Je suis un petit peu en avance, on va attendre 5 minutes, hein, que tout le monde arrive. Il y a mon papa aussi. Bonjour papa. Merci Claudine d'être venue faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci. Il y aura la vidéo sur le Facebook tout de suite après le live. Et puis sur la chaîne YouTube, ça sera dans la soirée. On va attendre de voir s'il y a notre Ingrid nationale qui vient aujourd'hui ou pas. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle serait là aujourd'hui. On va attendre 2 minutes. Bonjour Virginie Dejean. Vous allez bien? On a beaucoup de Virginie aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prête pour notre petite carte aquarelle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire de la patouille. Ah mince, maman. Aujourd'hui, on va jouer un petit peu avec les encres. On va s'en mettre plein les doigts. Enfin, on va essayer de faire ça proprement. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? Que j'ai pas dit bonjour. Est-ce qu'il y en a qui vont faire la carte en même temps que moi ou juste vous prenez des notes aujourd'hui? Ah, je crois que Muriel, vous aimez bien faire de la patouille, comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est la carte aquarelle qu'on va faire. Donc c'est une petite. C'est une carte très très simple hein, aujourd'hui qu'on va faire. Mais c'était surtout que je voulais vous montrer la technique donc, de l'aquarelle. Parce que je trouve que ça fait un effet super. Et puis ça permet de personnaliser comme on veut vraiment les cartes. Vous allez voir, c'est une technique qui est super super. Et qui revient pas trop cher finalement. Parce que bah, il suffit juste d'avoir les pinceaux et de l'encre. Et vous verrez, vous allez pouvoir faire des trucs super. Bonsoir Nathalie. Ok Charlotte, vous prenez des notes. D'accord, pas de problème. Alors, pas de souci. Vous prendrez en photo ce que vous aurez fait parce que j'aime bien voir, hein, vous m'envoyez. Et puis, vous pouvez publier sur la page Facebook aussi, il n'y a pas de problème. Comme ça, moi, j'aime bien voir ce que vous faites. Alors,
Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir y aller. Est-ce que vous connaissez toutes les produits Stampin' Up? Vous scrapez avec Stampin' Up, les produits Stampin' Up ou avec autre chose? Parce que du coup, je vais vous montrer un petit set de tampons et de dyes coordonnées qui sont au catalogue annuel. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion aussi. Comme ça, je pourrais vous présenter quelques petites choses. Je vous présenterai aussi à la fin du live le projet de la semaine prochaine. Qui est un mini-album, vous allez voir, qui est super beau. Et puis je vous présenterai aussi le petit événement que je propose au mois de juillet, au mois de juin, pardon, fin juin, d'un album, vraiment là, un plus grand album avec l'envoi d'un kit au préalable. Et puis pour 30 euros, enfin je vous expliquerai tout ça à la fin. Donc oui, vous connaissez bien les produits Stampin' Up, Charlotte, Muriel, d'accord. Première fois avec moi aussi. Pour Nathalie, d'accord. Bah, j'espère que ce ne sera pas la dernière, que vous reviendrez. Stampin' Up, t'as dit que pour ma part, bah oui, bah moi aussi. Hein, moi, je suis tombée dedans il y a. Maintenant, ça va faire 3 ans et. C'est trop bien. Hein. C'est comme une drogue. Quand on commence, on s'arrête plus. Une fois qu'on a acheté un truc, après c'est fini, on est foutu. Alors, j'attends juste de voir s'il y a. Parce que j'ai ma community manager qui est Ingrid, qui est une amie qui me suit depuis longtemps, qui d'habitude est présente et puis comme ça elle vous met des petites notes en commentaire. Mais là, elle n'est pas là, donc ça se trouve, elle peut pas aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on va faire ça, hein. Elle doit pas être dispo aujourd'hui. Bon, allez, on va attaquer. Je vais tourner la caméra. Bonjour Marie-Claire. Ça me fait plaisir. En espérant que la connexion coupe pas, que tu vas pouvoir voir en entier. Allez, je tourne la caméra. Attention, ça va peut-être chahuter un peu. Voilà, vous êtes tombé. Qu'est-ce que je disais? Ça va, vous êtes toujours là? De plus, j'adore l'aquarelle. Ah, Charlotte, vous adorez. Bah, vous allez voir, ça va vous plaire ce que j'ai fait. Ça va, vous n'avez pas trop le mal de mer avec mes histoires là? Alors, voici la petite carte que je vous avais mise en photo. Donc, avec nos petits hippopotames qui sont trop mignons, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Et donc, vous voyez le fond là ici, je l'ai fait donc avec l'aquarelle, avec un dégradé donc de couleur. Donc, j'ai utilisé les nouvelles Incolor. Je vais pas mettre trop près parce que sinon vous voyez pas bien. Et puis, bah, j'en ai fait une autre ce matin parce que du coup, j'avais des petites chutes de papier aquarelle et j'en ai fait une deuxième où là, j'ai utilisé plutôt la fleur du set de tampons. Set de tampons, c'est Croquis du Jardin, je crois, celui-là. Que j'avais présenté la semaine dernière. Et du coup, j'ai utilisé les chutes et pareil, voilà, j'ai fait un petit peu d'aquarelle dessus. J'ai mis sur un papier imprimé. Et vous voyez, franchement, comment ça rend trop bien. Deux complètement différentes. Une version plutôt enfantine, puis une version plutôt adulte. Mais qui fait un effet bluffant, je trouve. Donc. On y va? C'est OK pour vous? Je commence? Dites-moi, mettez-moi un petit pouce pour me dire. Donc, j'ai utilisé le set de tampons. Les petits hippopotames, moi je les adore, ils sont trop mignons.
Donc hippopotamesque. Donc ils sont au catalogue annuel, hein. Pour ceux qui ont le catalogue et qui connaissent les produits Stampin' Up. Donc je trouve que c'est un set de tampons qui est quand même vachement, en termes de rapport qualité-prix, qui est très très intéressant. Parce que vous avez quand même 27 tampons pour 22 euros. Je trouve que c'est quand même, en rapport qualité-prix, là on a de quoi faire. Donc vous pouvez faire les petits hippopotames comme j'ai fait là, on peut faire des petites licornes, on peut faire des petits moutons, les petits ballons ici que j'ai fait. Et puis il y a quelques petits messages. Donc je trouve qu'il est pas mal ce set de tampons. Et j'ai utilisé donc les dies qui sont coordonnées avec. Donc vous avez là ce que je trouve intéressant dans ce set là de dies. Donc vous avez les dies pour découper, vous voyez le petit hippopotame que j'ai fait ici, que j'ai tamponné. Donc je vous montrerai aussi comment j'ai fait pour tamponner les yeux et tout ça. Et je trouve ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'il est quand même vachement complet ce set de dies. C'est que vous avez aussi toute une batterie de plusieurs découpes d'étiquettes. À chaque fois là il y a trois tailles différentes et là vous avez quatre tailles différentes. Celui-là, il est aussi au catalogue annuel. Donc là, vous avez 25 poinçons à l'intérieur pour 44 euros. Donc au final, pour 66 euros, vous avez l'ensemble. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, là, il y a une belle proposition, je trouve. Enfin, pour celles qui veulent plus d'infos, hein, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en message privé après le live. Vous m'envoyez un petit message ou me téléphoner, il n'y a pas de souci, puis on en discute. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous la refaire avec vous et je vais utiliser les petites licornes. Vous voyez, j'ai fait des licornes. Elles sont trop mignonnes, hein? Et j'ai refait des petits ballons, pareil. Donc je vais vous montrer après, hein, le set de tampons, je vais vous le montrer en action, comme on dit. Allez, on commence. Donc, il vous faut une base carte. Donc, qui fait 21 par 15 cm. Je vous la note en commentaire. 21 par 15 cm. Avec un pli à 10,5 sur le grand côté. Je vous le tape. Voilà. Donc, 21 par 15 avec un pli à 10,5. Et donc, vous avez votre base carte. Donc là, je l'avais fait en rose sur celui-là. C'est le pierre rose poli. Et là, je vais faire en papaye pâle. Ensuite, d'accord, Virginie, il n'y a pas de problème. Vous me montrerez ce que vous aurez fait. Pas de souci. Il vous faut donc un papier aquarelle. Donc, le papier aquarelle, il est vendu chez Stampin' Up par paquet de ces 12 feuilles, je crois, ou 20 feuilles. Combien il y a de feuilles là-dedans? Par 10 feuilles. Il est vendu par 10 feuilles qui font 13 par 18 cm et c'est donc il est à 11 euros. Et donc c'est un papier qui est plus épais que le papier classique, que le papier blanc classique, et qui est un peu granuleux, qui va permettre en fait d'absorber l'eau qu'on va utiliser pour faire la technique d'aquarelle. Donc ce papier-là, aquarelle, il fait, que je vous dise pas de bêtises, 10 par 14,5. Je vous le note en commentaire. On a dit 10 par 14,5. Donc, si je vous montre la technique de l'aquarelle. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. La base carte, on n'en a pas besoin. Donc on va utiliser des pinceaux aquarelle. Donc chez Stampin' Up, ils sont vendus par 3. Et en fait, vous voyez, il y a un petit réservoir d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà rempli celui-là. Vous avez un réservoir d'eau ici. Donc vous dévissez. Je vais faire attention parce qu'il y a de l'eau dedans. Vous dévissez ici, puis vous remplissez d'eau à l'intérieur. Vais essayer de ne pas en foutre partout. Ça y est, ça commence. La patouille. Là, c'est que de l'eau. Et donc vous avez trois pointes différentes. Donc de la plus petite, la très fine, à la moyenne et là qui est un peu plus épaisse. Voilà, vous avez trois pointes différentes.
pas si vous les voyez, voilà. En fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi j'ai utilisé celle du milieu, la médium. Et donc il vous suffit simplement. Donc, vous remplissez votre. Alors pour info, les trois pinceaux, ils sont à 14,50€ pour ceux qui sont intéressés. Donc il vous faut, pour faire votre technique aquarelle, le pinceau aquarelle, le papier aquarelle. Et ensuite, on va prendre nos encres. Donc là, moi j'ai utilisé les nouvelles Incolor. Et j'ai fait un dégradé en fait. Vous voyez, je suis partie là ici, j'ai fait un dégradé. Alors, moi ce que je fais, c'est ma technique à moi. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est ma technique à moi. Donc je prends un bloc acrylique et je viens mettre de l'encre dessus. D'accord ? Jusque-là, vous me suivez ? Ensuite, sur votre pinceau aquarelle, vous voyez sur les deux côtés ici, c'est écrit push. Donc, il suffit de presser sur les deux côtés et vous allez avoir de l'eau qui va couler par votre pinceau. Voilà. Que vous faites couler de l'eau donc sur votre encre. D'accord ? On mélange et vous allez imbiber en fait la pointe de votre pinceau. Avec l'encre que vous avez mis dessus. D'accord ? Et ensuite, on va venir simplement sur notre papier aquarelle. Regardez comment ça fait. On va venir l'étaler de manière complètement aléatoire. Plus vous voulez que ce soit foncé et plus vous mettez de l'encre, tout simplement. D'accord ? Bonjour Marie-Thérèse, bienvenue sur le live. On vient juste de commencer. Et donc ensuite, il suffit juste avec un chiffon, vous nettoyez la pointe, vous faites couler un petit peu d'eau, ça fait enlever l'excès d'encre. Et vous pouvez attaquer sur une autre couleur. Donc ensuite, je vais attaquer l'autre couleur. Donc on recommence. Je prends mon bloc acrylique, je mets un peu d'encre dessus. Vous voyez ? Voilà, c'est une couleur claire, je ne sais pas si vous voyez bien. On fait couler un petit peu d'eau, voilà, pour venir récupérer de l'encre. Et ensuite, on vient colorier sur notre papier aquarelle. Là, c'est des couleurs claires, vous ne les voyez pas trop. On verra un peu plus après quand ce sera les couleurs foncées. C'est chouette, hein, ça vous plaît, c'est joli, hein. Et puis on peut l'adapter vraiment à tout quoi. Parce que vous voyez, là j'ai fait avec pour les enfants. Là j'ai fait avec des fleurs. Donc c'est pour quelqu'un de plus adulte. On peut vraiment l'adapter avec tout ce qu'on veut. Alors maintenant on va faire le rose. Moi j'adore cette technique, c'est super simple. Ça prend vraiment pas longtemps à faire. Et on fait quelque chose vraiment de personnalisé. On va mettre un peu plus d'eau. Hop là. Ça vous plaît? Dites-moi tout. Est-ce que c'est déjà une technique que vous avez utilisée? Que vous avez déjà fait? Ensuite, on va attaquer sur les verres. Donc, je remets sur mon bloc acrylique. On fait couler un petit peu d'eau. Et je viens ensuite sur mon papier
Donc faut laisser sécher un petit peu hein, après avant de le monter sur la carte. Mais ça va nous laisser le temps de faire les tampons, les tamponnages. On peut aussi faire de l'aquarelle si vous avez embossé avant à chaud un tampon. On peut tout à fait embosser en transparent par exemple. Et ensuite vous venez mettre en relief votre embossage à chaud avec de la couleur. C'est beau Charlotte, hein, ça vous plaît? Moi j'adore. En plus je trouve que c'est une technique qu'on peut aussi faire avec les enfants. Ça leur plaît, de jouer avec les pinceaux, les couleurs. Ils adorent ça. Et on fait la dernière couleur la plus foncée. Donc là on est sur épinette enivrante. Et voyez, hop là, je viens finir le bas de ma carte aquarelle là. Je vais faire un peu plus foncé pour bien que ça ressorte. Voilà, voyez, je voulais que ça soit un peu plus foncé. Juste, je reprends de l'encre pour que ça contraste bien. Hop là, voilà, c'est chouette, hein? Voilà, bah là j'ai envie de vous dire qu'on a fait le plus gros du travail hein, sur la carte. Franchement, il n'y a rien de plus simple, hein, vous avez vu? Là, c'est accessible pour tout le monde, hein? Alors. Je vais vous montrer un petit peu, donc le temps que ça sèche, je vais vous montrer un petit peu le set de tampons en action. On va laisser sécher quelques minutes. Alors, très joli, j'adore. Merci Marie-Thérèse. On va laisser sécher, je vais vous montrer le set de tampons. Alors, donc j'avais fait des hippopotames sur ma carte de base. Là, pour la carte d'aujourd'hui, j'ai fait des licornes. Qu'est-ce que vous avez envie que je vous montre? Hippopotame, licorne ou mouton? Dites-moi le temps que je vais chercher un bout de papier. Alors, vous avez envie de voir quoi? Dites-moi. Moi, j'adore les. Bon, j'adore les hippopotames. Hein. J'ai une fille, ma grande, qui est fan des hippopotames. Sa peluche pour dormir, c'est un hippopotame, d'ailleurs. Marie-Thérèse, vous voulez voir le mouton? Eh ben, allez. Première arrivée, première servie. Alors. Charlotte aussi, elle veut voir le mouton. Eh ben, on est parti pour le mouton. Alors, donc on va prendre, en premier lieu, on va faire donc le corps de notre petit mouton. Donc, il faut le tamponner avec une encre qui n'est pas trop foncée quand même. Parce que du coup, après, on va venir tamponner les yeux qui seront, eux, en noir pour qu'on puisse les voir. Mouton, comme ça, on aura les trois. Bah oui, Isabelle, c'est vrai. Vous avez raison. Comme ça, vous aurez tout vu. Donc, je viens. Moi, j'utilise le Stamparatus un peu pour les tampons comme ça. Parce qu'après, pour les yeux, il faut que ce soit un peu précis. Donc, c'est toujours mieux le Stamparatus. Quelle couleur on va faire? Là, j'avais fait en gris souris. Bon, on va rester dans le gris. Allez. Donc, on vient ancrer le tampon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me redécale un peu. Donc, je viens ancrer. On vient tamponner. Ah, ça bug, Agathe. Je vais remettre un peu d'encre parce que il n'y en a pas assez partout. C'est aussi ça l'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut retamponner au même endroit sans problème. Vous voyez. Hop là.
Donc le petit mouton, on va lui faire ses petits yeux. Donc dans le set de tampons, vous avez les trois yeux différents. Donc pour le cheval, l'hippopotame et le mouton. Et celui du mouton, ils sont... Je ne comprends pas, c'est celui-là. Et donc ensuite, on va essayer de venir se positionner au centre de du visage de notre mouton. Alors, je ne suis pas bien en face, comme il y a la caméra, je ne veux pas vous gêner. On va essayer de faire quelque chose. Hop. On va essayer de bien le centrer. Hop. Donc je viens récupérer, hop, grâce à la plaque du Stamparatus. Et là, on va tamponner donc, en noir. Donc moi, j'ai fait gris et noir, mais après, vous pouvez faire complètement toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Et voilà, notre petit mouton, il est pas trop mimi. Regardez-moi ça. Il est trop choupine, hein? Et alors, ce que j'aime bien dans ce set de tampons-là, c'est que vous avez un petit nœud papillon que vous pouvez tamponner et découper avec le dies qui est assorti. Le petit nœud papillon que je vous montre, où est-ce qu'il est? Il est là. Parce que du coup, il faut faire un truc un peu classe hein, quand même. Mon bloc acrylique, il est où? Ça y est, j'en ai partout, c'est le bazar. Vous aussi, c'est le bazar quand vous scrapez? On va lui faire un petit nœud... allez, un petit nœud rose. Ouais, il est rigolo, hein? Oh, ma Ingrid, coucou! Justement, je disais, bah, on attend la community manager et puis je te voyais pas arriver, donc on a commencé. Tu vas bien, ma Ingrid? Vous voyez le petit nœud papillon? Bah ouais les choupinous, hein, vous avez vu ça? Alors, on pourrait très bien imaginer le tamponner, donc comme ça, à côté, et vous avez le dies qui est assorti. Je vous le montre. Vous avez le dies ici qui est assorti, et du coup vous le découpez et on le met en relief comme j'ai fait ici sur l'hippopotame. Je trouve que ça fait plus joli. Maintenant, on peut venir le tamponner directement sur notre petit mouton, par exemple. On peut le faire directement comme ça. Et voilà. Oui, il n'y a pas de souci, ma Ingrid. Je sais que le mercredi, c'est la course avec les enfants. Puis, il n'y avait pas beaucoup de mesures à noter aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il n'y avait pas beaucoup de mesures à noter aujourd'hui, c'était simple. Par contre, la semaine prochaine, il faut que tu sois là, Ingrid, parce que c'est un mini-album, alors je vais avoir besoin de toi. Et voilà notre petit mouton. Il vous plaît, mon petit mouton? Et du coup, bah, la licorne, quand j'ai fait la licorne là, pour la carte d'aujourd'hui. Donc le petit nœud, je l'ai découpé à part pour le faire en relief. Et dans les dies, vous avez aussi la corne de la licorne que vous pouvez découper pour faire une vraie licorne. Quoi, parce qu'une vraie licorne qui n'a pas de corne, bah, ça n'en est pas une, hein, ça s'appelle un cheval. Ah super Ingrid. Et puis en plus, je pense que l'album, il va te plaire. Je vais le montrer à la fin. Je pense qu'il va te plaire. Il est dans une jolie boîte et il est super original. Je pense que tu vas aimer. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez une préférence pour quoi? Dites-moi, le mouton, l'hippopotame ou la licorne? Moi, je suis fan de l'hippopotame, hein, je l'avoue. Les autres sont jolis aussi, hein, mais je suis fan de l'hippopotame.
Hippopo, Ingrid aussi, ouais, il est mignon, hein, j'avoue, il est trop mignon. Et donc c'est pareil, la même technique, vous tamponnez d'abord le corps, vous avez le tampon ici, c'est celui-là, vous tamponnez d'abord le corps, et vous avez les yeux qui sont à part, et vous faites pareil, vous les retamponnez par-dessus, vous essayez de le centrer. Alors les yeux de l'hippopo, ils sont où? Ils sont là. C'est celui qui a la grande bouche comme ça. J'aime bien les trois. Ah, difficile. Ouais, difficile de choisir, hein, Charlotte. Hein. C'est pour ça qu'ils sont vendus. Les trois sont vendus dans l'eau. C'est trop bien. Et franchement, je répète, vous avez vu tout ce qu'il y a comme tampons? Pour 22 euros, il y a 27 tampons. Ça fait même pas. C'est franchement, en rapport qualité-prix, là, il y a de quoi vraiment s'amuser. Et même si vous ne prenez pas les dies qui sont coordonnées pour découper vos petits animaux. Ça se découpe très facilement, ça se détoure très facilement au ciseau, hein. Avec une bonne paire de ciseaux, vous pouvez complètement le détourer, c'est assez facile, hein. Alors, l'hippopo, ouais, hein, il est sympa, moi aussi je l'aime bien, il est rigolo. Ok, Marie-Claire, je vous fais des bisous, je te fais des bisous, Agathe Rose, et on s'appelle demain, d'accord? Alors, on va pouvoir monter notre carte maintenant. Du coup, là, ça a séché. Vous voyez, une fois que ça a séché, les couleurs, elles s'atténuent un petit peu. Elles sont moins vives, mais elles restent bien. Bisous, Agathe. Donc, on va venir coller notre papier aquarelle sur notre base carte, tout simplement. D'accord? Donc, à la colle, au double face, ce que vous voulez, hein. Vous faites chacune à sa team, hein. Hop. Donc, je vous rappelle, là, ça fait 21 par 15, la base carte. Et il y a un pli à 10,5. Hop, on essaye de centrer. Donc, on vient coller. Ça rend bien avec le papaye, hein. Moi j'adore cette couleur-là, je l'adore. Alors, ensuite, on va venir prendre nos petits personnages. Donc, je les avais fait à l'avance, hein, parce que je vous épargne ça. J'ai fait les petits ballons aussi. Alors, on va changer un petit peu. On va venir. Donc après, vous venez mettre vos petits éléments, hein, comme vous voulez. Je trouve que pour faire des cartes d'anniversaire, tiens, pour une invitation à un anniversaire pour les enfants, ça peut être sympa à faire. Là, on va mettre un youpi ici, avec les ballons comme ça qui viennent en l'air. Parce que du coup, donc, vous avez aussi donc, les tampons avec les ballons que j'ai fait à l'avance. Que vous découpez avec les dies qui sont assortis et vous avez aussi les petites cordelettes comme ça pour qui sont dans les dies ici pour faire la ficelle de vos ballons comme j'ai fait ici là. Alors on va coller ça. Je sais pas vous mais alors ici il tombe une pluie là, il y a une averse. Je sais pas, Ingrid, chez toi, s'il pleut là, mais il tombe un truc là. Laisse tomber. On va venir mettre des petits ballons. Franchement, elle est simple hein, cette technique. Hein. Vraiment. Donc je viens coller la petite branche de ballon toute simple. Comme ça. On va laisser sécher. Bah écoute, ça va arriver chez toi, à mon avis, Ingrid, parce que là, il fait tout noir ici.
Alors, je fais mon petit bidouillage et je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai mis une mousse 3D, comme ça va me permettre de fixer. Non, non, tu te gardes ton nuage. Mais ça se trouve, tu sais, il viendra pas chez toi, hein? Des fois, il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Hop, donc je viens caler en dessous mon étiquette là. Regardez, c'est pas trop mignon. Je vais couper un peu, là c'est un peu trop long ça. Hop. Et voilà, on va mettre notre deuxième licorne un peu par ici, comme ça. Et puis on va se mettre un petit message par là. Qu'est-ce que vous en dites? Et voilà. Et vous voyez, en 35 minutes, on a fait une carte. Je peux pas faire plus rapide, vraiment. Si je pourrais, mais je trouve que voilà, la créativité, l'auto-rendez-vous, la personnalisation, vraiment c'est top. On met des brillants, bien sûr, parce qu'il faut mettre des brillants dans la vie, hein. Alors, ça vous plaît? Vous trouvez ça joli? On va mettre un rouge, tiens, par là, comme ça. Elle est chouette, hein, cette petite carte, hein. Vous avez vu? Puis c'est hyper rapide. Et là, j'ai fait un petit. Je sais pas si on voit la différence entre les deux. Sur celle-ci, il y a une espèce de. J'avais fait comme un petit mouchetis un peu là. Je sais pas si on le voit. Noir là sur le fond. J'ai oublié de vous montrer ça aussi. Tiens, regardez, on va. Je vais vous montrer. Ça prend 3 secondes. Donc, vous reprenez bien sûr un bloc acrylique. Donc, on reprend une. Moi, j'ai pris de la Memento, de la noire. On vient en mettre sur le bloc acrylique. Alors là, par contre, il faut écarter un peu les trucs parce qu'on risque d'en mettre un peu partout. On fait pareil. On fait couler un peu d'eau sur le noir. On vient imbiber la pointe. Mais là, il faut vraiment que ce soit imbibé, hein. Et en fait, on va faire un mouchetis en venant taper tout doucement. Voilà, un petit mouchetis comme ça. Très léger. Vous voyez comment ça fait? Ça fait trop bien, hein? Tout simplement en tapant comme ça le bout de. Sur le bout de la plume, là. Et voilà. Et notre carte, elle est terminée. Et là, j'en ai mis partout avec le mouchetis pour le coup. On a de la chance que les encres s'en vont très bien à l'eau, les encres de chez Stampin' Up. Et voilà! C'est top, hein? Alors, qui est team hippopotame? Qui est team licorne? Toi, ta fille Ingrid, je suis sûre, elle est team licorne. Je suis sûre. Merci, Marie-Thérèse. Et effectivement, ça termine bien la carte. Ça fait une petite touche. Puis il y avait la troisième version que j'avais fait avec les petites chutes. Et voilà, notre petite technique d'aquarelle. T'as vu comment ça finit bien ça? Bon, bah je suis contente si ça vous a plu.
Elles sont belles, hein, toutes, hein. Là, sur celle-là, en fait, vous voyez, j'ai juste mis un papier imprimé dans le fond. C'est un papier imprimé rose tout simple. Et puis dessus, je suis venue coller des petites chutes que j'ai colorisées, quoi. Voili-voilou! Et puis alors, si à l'intérieur de la carte, donc là sur celle-là, moi à l'intérieur, j'avais mis un petit papier blanc. Donc le papier blanc de l'intérieur, il fait 10 par 14,5. Je vous le note. Pour que vous puissiez noter un petit mot sur votre carte. Qu'on vient coller après à l'intérieur. Vous voyez ici. Je vais vous le faire. Hop. Voilà. Ça vous permet de pouvoir écrire un petit mot. Vous pouvez tamponner quelque chose aussi, un message. Sur celle-là, j'avais mis joyeux anniversaire, je crois. Voilà. Vous voyez, j'avais. Et voilà! Votre projet de la semaine, il est fini. C'était un petit projet rapide, hein, cette semaine, j'avoue. Donc alors, nous avons Charlotte qui est team hippo. On a Ingrid qui est team licorne, forcément. Hein. Chez toi, c'est les licornes, je sais. Hein. Moi, je suis team hippo aussi. Hein. Bon, bah voilà. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être plus long. Hein. Je vous préviens. Il y a plus de boulot. Je vous montre ça tout de suite, je le prends. J'ai beaucoup aimé ce live, très sympa, merci beaucoup. À la prochaine fois, bonne fin de journée, Charlotte. Merci beaucoup. Juste regardez le projet de la semaine prochaine si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir, si vous voulez le faire. Alors, on va faire un mini-album. Donc, j'ai utilisé le set de tampons. Comment il s'appelle celui-là déjà? Mille merci, je sais plus, je vous le montrerai la prochaine fois, avec la perforatrice qui est coordonnée. Donc ça, c'est la petite boîte. Et donc à l'intérieur, vous avez un mini-album, avec un joli ruban ici. Et en fait, quand vous l'ouvrez, le ruban, l'album, ça vous fait un album en étoile. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau? Et donc, il y a de quoi mettre 10 photos. Et chouette, hein? Ça vous dit? Team fleurs. Ah ouais, moi aussi, j'aime bien les fleurs. Ah, je vois plein de petits cœurs. Je crois que ça plaît, hein? Il est beau, cet album. Vous allez voir, il est très facile à faire. Il est un petit peu long. Donc, la semaine prochaine, si vous voulez participer au live, il faut prévoir un petit peu de temps. Parce qu'il y a quand même pas mal de. Vous voyez, il y a trois épaisseurs de papier. Là, il y a trois découpes à faire à chaque fois. Donc, je vous publierai cette semaine, ce week-end. Je mettrai le. Sympa, merci Charlotte. Je vous mettrai ce week-end le descriptif avec le matériel nécessaire. Et celles qui voudront le faire en même temps que moi, je vous dirai les plis. À quelle mesure il faut les faire. Comme ça, toutes ces feuilles-là, vous pourrez les plier à l'avance. Comme ça, on gagnera du temps. Voilà. Et puis, je vous montrerai donc la petite boîte qui va avec. Que j'ai fabriquée. Donc, voilà ce qu'on fera la semaine prochaine. Ça vous plaît? Hop, ça, je vais les ranger. Ouais, je crois que ça vous plaît, je vois des petits cœurs partout. Et alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Si vous allez vous. Top, super. Merci Ingrid, je savais que ça allait te plaire. Si vous avez été voir un peu sur la page Facebook, j'ai publié, c'est hier, oui. Donc, je propose un kit album. T'en fais souvent, Sophie? Ouais, c'est vrai que on l'envoie pas mal sur les réseaux sociaux, sur Pinterest et tout. Et je trouve que ça fait un effet bluffant. Je trouve que pour la fête des mères, ça peut être un très très beau cadeau aussi.
Donc je vous propose pour fin juin un atelier privé donc en live sur un groupe privé Facebook pour faire un album, mais ce coup-ci un album un petit peu plus grand où on pourrait mettre une trentaine de photos. Donc je vous le montre. C'est l'album que j'ai appelé Summertime. Et qui donc, pour 30 euros, je vous envoie le kit si vous voulez à la maison par la poste et on fera ensemble donc la réalisation de ce petit album. Je vous enverrai tout ce qu'il faut en termes de papier, cartonnette, les découpes ici des lettres, tout ça, quelques petits embellissements, du ruban. Il y a juste les tamponnages que je ne peux pas vous envoyer. Et donc, quand vous l'ouvrez à l'intérieur, voilà, on fera le petit cadre ici à l'intérieur. Et donc, vous voyez, c'est des grandes pages à chaque fois. Donc là, il y en a que j'ai laissées blanches. Des grandes pages où vous pouvez mettre plein, plein, plein de photos. Là, il y a des tags. Voilà, l'intérieur est assez simple parce que je l'ai voulu quand même assez sobre. Mais voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur la page Facebook. Il y a tout le descriptif, l'explicatif de comment faire. Il y a un petit bulletin d'inscription à remplir, à me renvoyer avec le règlement. Et puis je vous fais parvenir ensuite le kit avec tout ce qu'il faut pour le réaliser. Voilà. Comment il est. Ça vous plaît? Et bien sûr, Ingrid, c'est celui-là que nous ferons en atelier, que je fais en atelier à la maison. On a dit c'était quand? Le 23? A priori, je crois que ça va être le 23, on est parti pour ça. Voilà, je vous ai tout dit aujourd'hui. Il est beau cet album, hein? Donc avec les petits papillons, là, les fleurs, elles sont magnifiques aussi. Donc on est dans les couleurs papaye pâle et puis soyeuse succulente. Oui, c'est ça, c'est le 23, ouais. Bah avec plaisir, Charlotte, allez voir sur la page Facebook, vous avez tout y est expliqué. C'est une publication d'hier, je l'ai mis hier. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, on en parle, voilà, il n'y a pas de souci. Et je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc je pense qu'en live, on le fera le dimanche 27 juin, je pense. Mais c'est à confirmer encore. C'est pour ça que je lance les réservations maintenant, parce que du coup, le temps que je commande et que je prépare les kits et que je vous les envoie, il faut que je m'y prenne un petit peu à l'avance. Voilà. Je vais retourner la caméra. Avec plaisir, Charlotte. Ça peut permettre aussi à ceux qui connaissent pas trop les produits Stampin' Up, de les découvrir. Donc, je trouve que c'est intéressant. De voir voilà la qualité des papiers, la qualité Ah, soyez succulente, ouais, moi aussi j'aime bien. Donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous souhaitez recevoir un catalogue, certaines ne l'ont pas, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'envoie. Et puis voilà, vous avez des questions? C'était un petit live tout simple aujourd'hui, hein. On n'était pas très nombreuses aujourd'hui, mais je pense que l'aquarelle, c'est pas le kiff de beaucoup, à mon avis. Donc j'espère la semaine prochaine vous retrouver, vous voir nombreuses pour ce mini-album. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis à bientôt Charlotte. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous fais plein 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 de scrap bisous. Je vous remercie d'être resté avec moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour notre mini album en étoile. Youhou! Allez, bisous à tous. Bye bye.